Me voici avec vous pour vous faire une bûche aux fraises, au chocolat blanc, cétogène. Alors, c'est plusieurs étapes. C'est pas difficile, c'est juste qu'il faut suivre les étapes une par une pour que ça fonctionne bien. C'est un petit peu long, mais le résultat final en vaut la peine. Donc, tout de suite pour commencer, je vais commencer par pour faire un coulis de fraises. Parce que c'est ce qui va prendre de temps, je vais devoir le congeler et tout. Je vais faire un coulis de fraises, puis je vais faire un biscuit aux amandes par-dessus avec un croquant aux amandes. Et ensuite, un autre étage de chocolat blanc et le tout recouvert d'une très très bonne crème aux fraises. Donc là, j'ai 600 g de fraises, c'est des fraises congelées. Si vous en avez des fraises, des fraîches, c'est tant mieux. Je vais avoir besoin de fraises. J'ai 2 feuilles de gélatine, c'est l'équivalent de 3 grammes que je vais mettre dans l'eau pour les ramollir, comme ça. Et je vais avoir un tiers de tasse d'érythritol. Donc là, pour commencer, je vais faire mon coulis de fraises. Avec mon coulis de fraises, je vais mettre sur le feu pour le faire réduire. Puis je vais rajouter un tiers de tasse d'érythritol. Voilà. Ces fraises, je vais les partager en deux. La moitié va me servir pour l'insert à l'intérieur et l'autre moitié pour la couverture avec une crème fouettée. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça réduise bien. Ici, j'ai l'insert où je vais mettre ma préparation aux fraises. C'est un peu fancy comme insert, mais vous pouvez utiliser un sac Ziploc ou un autre moule. En fait, l'idée, c'est d'en avoir un petit et un grand. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est le format de la bûche. Ça, c'est le format de la bûche. Et ça, c'est l'insert qui va aller à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Donc, ça pourrait être un moule régulier, puis un insert, vous mettez votre coulis de fraises à cuire, puis ensuite, quand il est froid, vous le mettez dans un sac Ziploc pour que ça fasse un boudin et vous le mettez dans le congélateur. Alors, donc mes fraises sont ici en train de réduire tranquillement. Pendant ce temps-là, j'ai du beurre, 50 g ou un quart de tasse, que je vais travailler avec une tasse de farine d'amande, 100 g. Ensuite, je vais rajouter un quart de tasse d'érythritol et 2 œufs. Ça, c'est mon biscuit qui va servir de base à la bûche. Une fois que j'aurai bien mélangé, je vais le mettre dans un moule. Alors, le moule que j'ai choisi, je l'ai tapissé de papier parchemin. Puis, c'est un moule qui va aller exactement comme la grandeur de la bûche ici. Puis, si c'est un peu plus grand, on peut le découper. Ou, en tout cas, vous faites avec les moules que vous avez. Vous essayez d'adapter. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé mon biscuit aux amandes, je vais le mettre dans le moule. On n'a pas besoin d'une grosse épaisseur. On va avoir un petit biscuit fin par en dessous. Voilà. Donc, je vais bien l'étaler. Puis, une fois qu'il sera bien étalé, je vais le mettre pour 12 à 15 minutes, pas plus, dans le four. Et on se retrouve juste après. Alors, je vais récupérer la moitié de mon coulis. Je vais la garder, je vais la réserver pour tout à l'heure. Et dans cette moitié-là, dans la moitié qui me reste, je vais rajouter les 2 feuilles de gélatine. Qu'on va bien essorer. Ceux qui n'aiment pas la gélatine et qui préfèrent l'agar-agar, Sachez que ce n'est pas possible pour cette recette parce qu'on va devoir congeler ça. L'agar-agar ne se congèle pas. Donc, on était obligé de mettre de la gélatine. On va faire avec. Habituellement, je n'utilise pas de gélatine dans mes recettes. Mais pour cette bûche-là, on n'a pas le choix. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Puis, on va le mettre dans le moule à insert. Ce moule-là, on va mettre la moitié en coulis de fraises. Puis par-dessus, on va mettre une autre préparation pour avoir deux couleurs à l'intérieur de la bûche. Voilà. Sans vouloir faire de publicité, ces deux moules-là, je les ai achetés dans une boutique spécialisée à Montréal qui vend tous les articles de la pâtisserie. Si vous avez besoin de l'adresse, dites-le moi, puis je vous dirai où aller vous en procurer. Mais ces temps-ci, ça va être difficile avec le confinement, tout va fermer. Donc, il faudra attendre bien après les vacances de Noël. Voilà, on va congeler tout ça. Je vais mettre ça dans le congélateur, puis quand ça va bien prendre, à ce moment-là, on pourra rajouter l'autre préparation par-dessus. Là, mon biscuit de base est en train de cuire dans le four. Ma première préparation va aller au congélateur. Maintenant, on va préparer le croquant qu'on va mettre sur le biscuit. Pour préparer le croquant qui va aller sur le gâteau, donc j'ai un tiers de tasse, 75 g d'allulose. Alors, j'ai ici une tasse d'amandes effilées. Je les ai mis un petit peu à griller dans le four. Et je vais les mélanger ici pour les mettre sur le biscuit. Ça va nous donner du croquant. Alors voilà, mon allulose est en train de caraméliser. En fait, vous devez coordonner le temps de la caramélisation avec la cuisson de votre gâteau. Comme ça, vous arrivez en même temps. Le plus dangereux, c'est ça, parce que ça caramélise très vite. Ça devient foncé très, très vite. Je vais rajouter quelques secondes pour que ce soit un peu plus brun. Donc ici, j'ai mon gâteau. Je vais l'enlever du papier parchemin. Je vais le mettre ici. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, c'est assez. Je vais éteindre le feu et je vais jeter mes amandes effilées comme ça. On va fabriquer un petit croquant et je vais tout de suite commencer à le mettre sur mon gâteau. Alors on mélange bien. Bien. Ce qui va se passer, c'est que le sucre va durcir. Et quand on va croquer dans la bûche, on va avoir le petit croquant comme le gâteau royal qu'ils font avec de la feuilletine. Mais nous, on n'a pas le droit, donc on va mettre des amandes effilées. Je vais tapisser mon gâteau. À un moment donné, ça va coller, donc ne paniquez pas. Ça va coller sur le gâteau. C'est comme une espèce de nougatine, c'est délicieux. On essaie d'en mettre partout. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne de proche. Regardez l'épaisseur du biscuit de base avec les amandes par-dessus. Et on va passer à la suite. On continue. Là, on va faire la deuxième préparation qui va aller sur le coulis de fraises, qui est une ganache au chocolat blanc. Bon, le chocolat blanc, c'est difficile à trouver avec pas de carbs. Donc, j'ai acheté ceci. C'est du chocolat blanc à... comment on dit ça, frosting. pour les couvertures de gâteaux, etc. Ça, c'est 1 g de glucides nets pour 2 cuillères. Ce qui veut dire que si on mange une tranche de notre bûche, on aura 1 g pour ce chocolat blanc. C'est une préparation blanche comme ça, en poudre. Je ne sais pas si on en vend chez Avril ou Tôt ou dans les supermarchés. Je n'en ai pas cherché. Moi, je suis une adepte des achats sur Amazon. Donc, voilà. Je vais vous mettre une photo pendant le montage. C'est une poudre, comme je vous ai dit, comme ça, blanche. Je vais prendre 100 grammes, qui correspond à une tasse. On va commencer à la travailler avec un petit peu d'eau à chaque fois. De l'eau à température ambiante, comme ça. Et c'est avec cette préparation qu'on va faire notre ganache. Donc ici, j'ai pris un quart de tasse. On va voir de combien j'ai besoin. Alors, regardez, ça durcit très très vite. J'ai à peine mis à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe que déjà on a un mélange qui durcit et avec lequel on pourra faire notre ganache. Ça me semble correct. Voilà, regardez. Le chocolat blanc, il n'est pas fluide comme le chocolat régulier. Il est toujours un peu plus dur. Donc voilà, j'en ai eu pour 3 cuillères à soupe d'eau, pas plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma ganache classique comme une ganache normale. Je vais mettre une tasse de crème dans la casserole. Je vais le réchauffer. Donc, jusqu'à ce qu'il soit assez chaud. Et je vais le mélanger avec ça. Et je vais le vider tout de suite sur la préparation, même s'il est liquide. Pardon. Parce qu'il va durcir. Alors, voilà, on fait avec les moyens de bord. Il n'y a aucune difficulté dans cette bûche, mais vraiment aucune. La seule chose, c'est qu'il y a des étapes. Il faut congeler l'insert de fraises, puis ensuite, il faut congeler ça pour que ça durcisse et que ça se démoule facilement. Il y a la préparation du biscuit avec le croquant par-dessus. C'est juste plusieurs étapes. Donc, et puis quoi, c'est Noël. Donc, ça vaut la peine de travailler un peu plus. Donc, maintenant, ma crème est chaude. Je vais la verser sur le chocolat blanc. On va mélanger tout ça. Ça va être très liquide, mais il n'y a pas de souci parce que ça va figer dans le congélateur et de toute façon, le chocolat va refiger. Pardon. Là, je mets du beurre. C'est un quart de tasse de beurre. C'est 65 grammes à peu près. On remue bien le temps que tout soit bien fondu. Et je vais les laisser tiédir un peu, juste pour ne pas refaire fondre mon insert de fraises. Et ça va prendre peut-être une vingtaine de minutes, pas plus. Et comme prévu, je vais mettre ma ganache au chocolat blanc par-dessus. J'essaie de ne pas quand même remplir jusqu'au bord. Et voilà. Et donc, je retourne mettre ça au congélateur, mais ça ne va pas être long parce que le chocolat va vite figer. Et il va rester moelleux à l'intérieur comme des truffes en fait. Ça ne va pas devenir dur. Alors, dernière étape pour finaliser la bûche, j'ai ici une tasse de crème à 35%, bien froide. Ensuite, je vais commencer à le travailler pour faire une crème fouettée. Bon, j'ai pas mis la prise, ça va mal. Une fois que notre crème commence à prendre, on va rajouter de l'érythritol. J'ai un quart de tasse, je vais le rajouter en deux fois et je vais continuer à fouetter ma crème. Alors, la crème est bien fouettée, voilà, elle est bien sucrée, bien fraîche. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter le coulis de fraises. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. C'est à ce moment-là que je vais rajouter le coulis de fraises qui me restait de mon insert. Par contre, ce que je ne vous ai pas montré, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de filmer, c'est que le coulis de fraises, je l'ai réchauffé et j'y ai mis 2 feuilles de gélatine. Puis je l'ai remis à rafraîchir pour que lorsque je le mélange à ma crème, je ne la fasse pas tomber. Donc c'est très très important de rajouter 2 feuilles de gélatine dans le coulis de fraises. Je ne les ai pas rajoutées hier parce que je ne voulais pas qu'en la laissant refroidir dans le réfrigérateur, elles deviennent déjà gelées. Voilà. Alors, pour être sûr que mon fond de bûche va bien adhérer au moule, je vais juste enlever un petit peu sur les bords. De toute façon, ça ne va pas se voir, donc il n'y a pas de crainte. Ce côté-là ne va pas se voir de toute façon. Si vous avez trouvé le moule parfait qui est pour la cuisson du biscuit et que ça rentre très bien dans votre moule à bûche, parfait. Voilà. Donc, voilà mon moule, voilà ma mousse. On va y aller jusqu'à la moitié du moule. La mousse aux fraises, regardez comme elle est onctueuse. On tapote bien pour qu'il n'y ait pas de bulles et qu'on soit sûr qu'on a quelque chose de très lisse sur la bûche. Je vais y aller encore pour la moitié. Je vais aller chercher mon insert chocolat blanc et fraises. Je vais le mettre ici, puis je place mon biscuit et la bûche est presque prête. Voilà. Je récupère mon grand moule et je mets délicatement ma bûche en dedans. Voilà. Alors là, il faut que je la tapote délicatement. Il faut réussir à l'insérer dans la préparation rose. C'est une ganache, donc ça a tendance à fondre un petit peu, mais c'est pas grave du tout. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de préparation rose autour pour que ce soit vraiment, que ça cache bien mon insert. Alors, maintenant, notre fameux biscuit d'hier, on va le mettre côté croquant, on va dire, de l'autre côté, comme ça. Donc, moi, j'en ai coupé un petit peu, je vous ai montré ça tout à l'heure. Et on va placer ça, comme ça. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. On va juste nettoyer un petit peu les côtés. Alors, vous savez c'est quoi le plus difficile maintenant? C'est d'attendre 24 heures. Aujourd'hui, on est le 24 décembre. Ça n'aura pas de chance d'attendre 24 heures. Je vais la démouler ce soir, je vais faire des photos et je vais vous les envoyer, mais je suis vraiment désolée, je ne pense pas que vous allez être à temps pour en avoir une pour ce soir. Vous pouvez la faire pour le 25 ou pour le 31 et c'est vraiment indépendant de ma volonté, ce retard-là. C'est vraiment des problèmes que j'ai eu avec YouTube et je pensais que je n'allais plus pouvoir poster de vidéos. Elle a passé 8 heures au congélateur. Un temps plus long serait recommandé, mais j'étais un petit peu en retard. Maintenant, je vais la démouler, la décorer et je vais la mettre au réfrigérateur au moins 2 heures pour qu'elle devienne à la bonne température pour être consommée. Alors, voilà. Bon. Et voilà ce que ça donne. Une belle bûche que je vais décorer. Donc me revoilà, je suis allée faire fondre un petit peu de chocolat pour coller ma décoration. Ça. Ici, j'ai des truffes. Les truffes, la recette est déjà sur mon site. On va juste les déposer aussi ici. On va les coller, allez. On peut se permettre, il n'y a pas de chocolat à l'intérieur, donc on peut se permettre d'en mettre un petit peu comme ça. Ici, j'ai du caramel. C'est du caramel sans sucre. Il y a pour 4 carrés de chocolat comme ça, de caramel, c'est 1 gramme de glucides. Voilà. Ici, j'ai 2 étoiles que j'ai achetées comme ça, mais je vais les décorer à ma façon. Ici, j'ai de la poudre alimentaire dorée. Je vais en mettre sur mes étoiles. Ici, je vais mettre du chocolat dessus pour qu'elle colle. Et une de l'autre côté. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de voir cette bûche à l'intérieur? Voilà ce que ça donne. Ça change un peu de la bûche roulée au chocolat. Et au moment où je vais la couper, je vais vous la montrer à l'intérieur. L'heure de vérité, je vais la découper pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. On n'est pas heureux en mode cétogène avec une bûche pareille. Alors, je dois m'excuser auprès de vous parce que j'en ai l'eau à la bouche. Je vais la goûter, mais pas vous. Donc, je vous conseille de faire la même pour le réveillon du 31 si Si, comme ici au Québec, vous êtes seul, vous allez pouvoir faire la même chose dans un gâteau. C'est pas obligé que ce soit une bûche. Le même principe avec les mêmes inserts pour faire un gâteau d'anniversaire. Voilà. La ligne rose que vous voyez en dessous des fraises, elle s'est formée toute seule. Je pense que la pulpe est descendue, puis ça a donné cette belle ligne en dessous. Mais ça n'en fait que quelque chose de plus beau. Alors, dans une assiette, ça donne ça. C'est magnifique. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage. Mettez-moi un like, des commentaires et surtout, activez la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Je vous souhaite un très joyeux Noël et à bientôt dans une autre vidéo.